Pour la première émission de 12-14 de Radio France, France Inter sort en effet de Paris et visite une ville moyenne de 40 000 habitants, Châtellerault, et surtout une famille, chez elle, dans sa salle à manger où je me trouve. On va tout d'abord savoir ce que Christophe, qui rentre de l'école, pense de cette émission. Tu peux ? Qu'est-ce que t'en penses ? D'accord. C'est bien. Vous représentez vraiment les Français moyens ? Oui, je crois, oui. Vous avez choisi les invités que vous souhaitiez. C'est fini, là. Qu'est-ce que vous pensez de ce premier contact ? Est-ce que Radio France poursuivra cette expérience ? Je pense que si l'expérience est concluante, celle d'aujourd'hui, nous continuerons en allant dans des villes peut-être de plus en plus petites. J'ai voulu, dès mon retour à la radio à France Inter avec Jacqueline Baudrier et Péricard, encouragé par eux, à décentraliser l'émission de temps en temps et aller voir vraiment ce que la base, les usagers, la France, à Paris comme dans les provinces, pensent, et de leur poser leurs véritables préoccupations, que plus personne ne parle pour eux, mais qu'ils parlent et qu'ils traduisent leurs préoccupations.